Neuvième épisode de The Crew 2. Alors après avoir nettoyé les courses de la catégorie freestyle, ça tout fait au moins une fois, après avoir affronté entre guillemets la boss de la discipline dans Bénéfice Mutuel, et ben on va continuer cette fois-ci dans les autres catégories. La catégorie la plus avancée, catégorie off-road. Tac. Il reste des courses Instant Kodiak. Merci d'avoir accepté mon invite. J'ai l'impression de m'être gouré sur toi, mais comme tu traînais avec Wade, t'as l'air cool en fait. J'ai un truc à te proposer, une course de rallye raid, juste toi et moi. Que tu gagnes ou que tu perdes, je t'assure que ce qu'il y a à l'arrivée, ça vaut le coup. Sur le papier, on n'est pas prêt. Par rapport aux performances de notre véhicule, maintenant on verra ce qu'il en est sur la route, plutôt sur les flancs de la montagne. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vue? Il parle beaucoup, non? C'est assez sympa, en tout cas, le flanc enneigé. Fais gaffe, enneigé. Le terrain est dangereux par ici. Un accident est vite arrivé. C'est très raide. J'ai surtout pas envie de basculer vers l'arrière. C'est ce qui me fait le plus peur, d'ailleurs. Il vaut mieux avoir un peu de nitro. Ah, des bisons. Je vais m'arrêter prendre une photo, mais c'est pas possible. Sur notre ami en train de revenir très fort. C'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. Sauf dans cette course. Il va quand même pas arrêter la course pour méditer. T'as mis parcours. Tu fais pas semblant quand tu cours, toi. Putain, comment il est en train de revenir, cet enfoiré. Oh là 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 là. C'est passé un chemin prévu. Prévu initialement. On va dire que c'est ça la... C'est ça le plaisir dans ce type de course, on passe par où on peut. Pas dit on veut, hein. On peut. Allez. Putain, il est juste derrière. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Surtout si je me plante à un moment. Voilà, comme ça. Attends, ce que je vois tout. Content de voir que je me trompais sur toi. Sur l'arbre. Sacré course, hein. Putain. Terrible la course. Dommage que Wade ait pas été là pour voir ça. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça valait le coup ou pas? Je me rappelle. Il y a un an ou deux, dans les cascades, j'avais suivi un sentier plein de caillasses. Et au bout, il y avait un petit lac. On aurait dit que
que personne n'y avait jamais été avant. Eh ben aujourd'hui, on y organise des courses. Je trouve que c'est un truc génial de trouver un plan comme ça. C'est presque magique. Une fois que tu quittes la route, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber. Non, mais t'as tout faux, là. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à toi quand tu gagnes. Et t'en profites même pas. Faut pas que tu te sentes coupable de faire partie des vainqueurs. Non, pas du tout. Fais les bons choix et profite de tout ça tant que ça dure. Parce que la fin, elle arrive toujours plus tôt qu'on pense. Ensuite, après la catégorie Powerboat, on va continuer le Touring Car avec notre jolie Mercedes Jersey Chevron Cup. Ça neige dur. Le circuit va être une vraie patinoire. Alors mets ta cagoule et lance-toi. Occupe-toi de maintenir les roues avant dans la bonne direction et tes roues arrière se débrouilleront. Et t'inquiète pas, je t'ai allumé le chauffage. Oh putain, les réflexions. Ce que j'ai retenu, c'est fous ta cagoule. Effectivement, il neige bien. Attention, mais j'ai l'impression que c'est que un anneau de vitesse qui circule. Hein. On va faire que faire des cercles. Pas super passionnant en termes de pilotage. Mais... Parce que la difficulté va venir du fait qu'on me collait au cul pendant toute la course. Chaque virage va être. À la fois une opportunité de creuser notre écart, comment perdre, c'est pousser au cul. Thank you.
Le plus dur dans la course, c'est de pas s'endormir parce que comment tu tournes en rond, putain. On peut apprécier le. La traînée laissée par nos roues dans la neige. J'ai pas l'impression que d'un tour à l'autre ça reste. Par contre, en termes de trajectoire derrière nous, c'est bien respecté. Hein. C'est proche de la fin. Changement de météo. Alors toi, j'adore, il y a encore de la neige sur la bagnole. Attends. Ah, laisse tomber, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'à mes yeux, t'es rien. Rien du tout. Peu importe le nombre de courses que tu fais au niveau que tu penses avoir. T'as pas ce qu'il faut pour être champion. Alors, tu peux retourner faire des courses de tricycle ou des ateliers quiche l'oreille. Quel enfoiré. Je sais pas ce que tu fous, parce qu'ici, tu gagneras jamais. Prochaine course, circuit Miami. Les membres de notre communauté disent que chaque course est la trajectoire parfaite le long du circuit. Si tu restes dessus, tu peux pas être battu. C'est ce qu'on va faire. Trouver la ligne. Entre les virages et les lignes droites, entre le passé et l'avenir, trouve-moi la trajectoire parfaite. Tu vas devoir nous faire une belle performance, là. C'est déjà un petit peu moins monotone que le précédent circuit. Je me souviens, j'ai déjà fait ce circuit-là, mais dans l'autre sens. Surtout la chicane, en fait, qui est revenue. Je l'ai un peu gêné.
bien. C'est plutôt à mon avantage sur la fin du circuit, visiblement. Je suis meilleur, c'est sur le début où là il me... était le meilleur. Section photo Miami, vue aérienne du circuit de Miami. Alors pour ça, il faut prendre un avion. Alors je crois qu'à la fin une des catégories, on peut avoir un hélicoptère. En attendant, prenez un avion. Suite Miami sur la carte. C'est en bas à droite. C'est ici. C'est estampillé circuit de Miami. Il y a même des courses qui s'y trouvent. Notre ami, on va survoler le circuit. C'est en mode photo. Et on va prendre un joli cliché, voilà. Tout est ouvert. Next, Circuit The Giant et Verizon. Pour cette course, tout le monde a une Ferrari 488 GT3. Oh putain! Moteur V8, 3 litres 9, 600 chevaux. C'est plus une voiture, c'est une fusée. Stresse pas. C'est pas les caractéristiques de la voiture qui comptent, c'est comment tu l'utilises. Ça, c'est toi qui le dis. Est-ce qu'on est le soir? Pas dire.
l'instant. Sans qu'on domine plutôt la course. Hein. Un peu ça. Je me suis pas non plus mis en vue intérieure ou à la portion la plus facile du circuit. Hein. Je suis arrivé quand même de là. Ah, la fin n'est pas la même. Hein. On trouve les surprises. Si. Non, 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 la fin était bien différente. C'est marrant. Te battre et je suis fier de toi. Mais il y a une différence entre le fight et être un vrai champion. T'y es presque, mais t'y es pas encore. Être champion, c'est pas seulement gagner des courses, c'est les gagner toutes. C'est être la cible de tous les autres pilotes et en avoir rien à carrer qui soit tous après toi. Pour l'instant, t'es derrière Clarence. Et ça, il faut que ça change. Dernière course dans cette catégorie Golden Hill Chebong Cup. Alors surtout, tu restes bien concentré. C'est Clarence que t'affrontes. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, c'est quand même au volant d'une voiture qu'il est le plus à l'aise. Il a ça dans le sang. C'est une histoire de famille pour lui. Three. Two. One.
du lourd en face, hein. Notre ami Clarence, tiens, fumez. Ce que je peux te dire, c'est de continuer comme ça. Un peu loin, Clarence. Il s'enrume quand même, hein. Ah, je crois qu'il va me rentrer dans le cul, je me dis, je fais exprès. Catégorie photo, circuit officiel. Alors là, on vient de faire une course sur le circuit de Golden Hill. Donc, on a une photo aérienne à prendre de ce circuit. Donc, c'est au sud de Las Vegas, comme la description. Enfin, Las Vegas, c'est là. Il y a un circuit à la Golden Hill.
on prend notre avion. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à ce que la photo pardon, soit validée. Donc, en se positionnant ici et en regardant par là, ça a marché. Mais à un moment donné, j'étais ici et je photographiais dans ce sens-là, ça ne fonctionnait pas. Donc, n'hésitez pas à tourner un peu autour pour être sûr que le système de photo vous valide bien votre angle de vue. Tac, une photo. Donc là, on voit, hein, je suis en train de regarder le circuit, ça ne marche pas. Par contre, voilà, en regardant plutôt par là, là où il y a l'espèce de radar, ça semble mieux marcher. Alors, on a fini avec le touring car, on a déjà commencé le air race. On va aller faire un petit tour du côté d'Alpha GP. Pour ça, il va falloir casser notre tirelire. On va retourner au QG. Alors, il est venu là. C'était Pro Racing. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'était pas revenu là. Hein. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. On a le choix entre une Red Bull 2017 et une Alpha Mark II. Oh, joli prototype. Différence de prix. Oh putain! Je trouve que la différence de performance se monnaie cher. Hein. 340, 900 chevaux, 340. Ah d'accord, en fait c'est sur le poids de la bête, je pense, que se joue de performance. Enfin, de toute façon, on a de la thune. Hein. On va prendre ça. Alors. Ça a déverrouillé pas mal de courses. Hein. Pour un puriste comme Clarence, le Grand Prix Alpha, c'est ce que le Pro Racing a toujours été et ne devrait jamais cesser d'être. Sauf qu'il se trompe. Ça a jamais cessé d'évoluer. Parce que oui, ces voitures sont des classiques, mais elles sont pas aussi rapides ni sûres que les modèles actuels. L'évolution, ça fait aussi partie de nos traditions. Red Bull en face. Réparer cette voiture, je crois que ça a été mon chef-d'œuvre. Ça peut. Si c'est comme ça, c'est défait.
Putain, mais la piste est inondée, c'est quoi ce bordel? Nom de Dieu! Oh la vache, c'est impressionnant comment la piste est devenue. est devenue trempée d'un coup. Succès multitâche. Tes efforts commencent à payer, tu sais. Il y a plusieurs sponsors qui m'ont parlé de toi. Autant te dire que je suis super fière. Terminer une épreuve dans chaque discipline, d'accord. Petite photo, line-up de pro. À vos marques, photo du Proto Alpha Mark II. Alors pour ça, bien sûr il faut posséder le véhicule. Et ce véhicule, en fait, il faut avoir avancé un petit peu dans le jeu. Il faut avoir déverrouillé la catégorie Alpha GP. Donc déjà c'est plutôt à la fin du jeu que ça arrive. Ensuite il faut aller au QG. Catégorie, alors c'est Pro Racing. Et ici, acheter dans la catégorie la marque 2. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Il n'y a que deux voitures. Il y a soit une Formule 1 Red Bull, soit ce véhicule. Ensuite, une fois qu'on l'a. Voilà, on n'a pas de bol. Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. Attends, le sol est encore mouillé. Pas de photo. Et voilà notre bébé. Elle est toujours dans nos Grands Prix. N'oublie pas que le Grand Prix Alpha, c'est le joyau de la couronne du Pro Racing. Et c'est là que Clarence règne. Si tu veux avoir une chance de le battre sur son terrain, tu vas devoir donner le meilleur de toi-même, et plus encore.
passe mouillé. C'est très joli la flotte, c'est pas pratique pour conduire, mais alors visuellement c'est chouette. Finalement je trouve que c'est une bonne chose que The Crew 2 sorte avant Forza, comme ça visuellement on pourra comparer, mais je pense que Forza sera un poil quand même plus joli, mais je suis quand même surpris hein, visuellement. Il n'y a pas spécialement un effet photoréalisé des véhicules ni les décors au loin, dans tout ce qui est premier plan, les rendus de lumière, c'est surtout sur les rendus de lumière en fait. Les moteurs d'Ubisoft sont très jolis, on a pu le voir dans The Division. Rainbow Six commence à être un petit peu plus joli qu'au début, mais ils s'anticipent pas encore ça. Ça s'inscrit bien sûr. Et là, les effets de lumière, de soleil et de reflets sur surface ou l'hiver, c'est juste magnifique. Il faudrait quand même que je me fume parce que on arrive sur le dernier. Et en tête, je te l'avais dit que le secret c'était de garder son sang-froid. Je m'étonne. J'ai pas encore testé la vue intérieure du bolide. Écoute, je vais être honnête avec toi. Pour moi, tout ça c'est du flan. Une course professionnelle, ça se joue au sol, dans une voiture, sur un circuit. Tout le reste là, les trucs que vous faites avec vos bateaux, vos avions, et je sais pas quoi d'autre, c'est du n'importe quoi. Parce que, ok, ça peut intéresser les gens à court terme, mais vous ferez quoi quand ils en auront marre? Jusqu'où il faut aller pour le public? Si tu veux mon avis, et je vais te le donner quand même, on devrait rester fidèle au classique. Et c'est là que je suis le meilleur. Est-ce que le dépassement va être validé là? Yes. On est tombé sur des joueurs traînés et là, tac! Dépassement. Ce qu'on a fait comme photo, catégorie Pro Racing. Je me trouve. Voilà, c'est dans la catégorie pilote d'élite. Il fallait dépasser un autre joueur sur le circuit de Jersey Ouest de New York.
Voilà, on est ici. Et New York. Et il y a le circuit qui est là. C'est plus de Jersey. Allez, on va pouvoir s'attaquer à l'épisode 5 du Live Extreme Series. Alors, on avait besoin d'une hypercar, d'une Formule 1 et un bateau qu'on a déjà depuis un petit bout de temps. De toute façon, pour l'épisode numéro 3, il nous le fallait également. C'est parti. Nous sommes aujourd'hui dans le nord-ouest de l'État de New York pour la cinquième course explosive de la série Live Extreme. Préparez-vous à découvrir de façon totalement inédite les paysages cultissimes de la côte Est. Le fournisseur de caméras conçues pour des conditions extrêmes est fier de vous présenter un des circuits les plus excitants du championnat. Excitant, mais il risque bien de résister à nos pilotes car, pour franchir la ligne d'arrivée, vous devez faire partie des meilleurs. Heureusement, c'est exactement ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Le meilleur. Étant donné sa position actuelle, je prends un risque en vous disant cela, mais je vous garantis que vous êtes en train de regarder notre prochain champion. C'est bien, il est optimiste. C'est pour ça, Benetton. Là, mon objectif, ça va être de pas perdre trop de temps. En tout cas, le tracé est bien merdique hein, pour une hypercar. Il se dirige vers le pont couvert. Les voitures les plus modernes du monde en train de rouler par-dessus une antiquité à toute vitesse. Ça, c'est ce que j'appelle du spectacle. Sur le troisième. Je vais un petit peu de gouache histoire de passer. Vous avez tout ce qu'on a là. L'air de tirer droit. C'est Big Apple qu'on voit au loin. Eh ben, à la vitesse où ils vont, oui. Nos pilotes ne vont pas tarder à pouvoir en croquer un bout. C'est pas me bouffer un mur surtout. Hein. J'ai envie de le toucher un peu. On dirait que quelqu'un a vraiment envie de finir premier. Et surtout, on veut juste le foutre dans le décor. Wow. Vous êtes prêts? On passe au niveau supérieur. Oh, oui. C'est là, c'est le niveau supérieur. Ils sont passés, je comprends, mais... Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Une course sans limite de vitesse, en plein New York City. Et sans bouchon en plus. C'est clair.
fatigue de mes adversaires. Quelle course, mesdames et messieurs, quelle course ! 100%. Attention aux gouttes, c'est parti pour le grand final. Ah. Putain, ça y est, ils reviennent, merde. Ça y est, il a pris la première place. J'étais tranquille. Et avec style. J'étais tranquille. C'est fou ça. Ce point était juste. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché, parce que la section qui arrive traverse Central Park et elle est blindée de virages ultra serrés. On aurait difficilement pu trouver mieux pour une course de jet sprint. Ce que j'aime pas. Petit virage. Une possibilité de se perdre. Pour l'instant, je me dégoûte pas trop mal. Profitez bien de la vue, parce que nos pilotes ne vont pas en avoir le temps. Ils sont pas loin. Même si c'est sûr que c'est pas les mêmes vitesses que nos hypercars. Va falloir que nos pilotes se lâchent là. Yes. Eh bien, quelle course. Une nouvelle fois en direct de New York, la ville qui ne dort jamais et qui pourrait dormir avec un spectacle pareil. Merci d'avoir suivi le cinquième épisode de notre série Live Extreme. On vous dit à très bientôt pour la dernière course de la saison. On continue nos petites courses d'Alpha GP. Golden Hill. L'année dernière, Clarence a crevé un pneu et il s'est complètement croûté sur ce circuit. Du coup, il a une revanche à prendre. Alors ça risque de le rendre encore plus dur à battre et encore plus dangereux.
que surprendre. Forcément, ça revient fort derrière. Arrêter ces commentaires à la con quand je conduis, ça m'est vrai. Faut quand même que la différence technique des voitures se paye à certains moments du circuit. J'ai 9 points de retard en termes de performance de ma voiture. Et si la victoire est possible, on l'a vu, hein, j'ai terminé premier au premier tour. Je sens quand même qu'il va y avoir des passages où ça va être chaud. J'essaye de pas balancer toute ma nitro. Des petites touches par moment. Forcément, je peux en arrêter une, mais pas deux. Mais tu peux le reprendre quand tu veux. Bien sûr. J'ai tout ce qu'il faut pour remporter la course. T'as eu ta chance, mais il est temps que l'ordre naturel des choses soit rétabli. Si tu t'acharnes à essayer de remporter le championnat, eh ben tu risques de cracher du sang. Alors t'as le choix. Soit tu laisses tomber, et puis tu rentres chez toi, soit tu te fais humilier sur le circuit. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est moi qui gagne. Clarence est descendu parmi nous, pauvre mortel, pour nous illuminer de son divin pilotage. Il nous sous-estime tellement. Alors on va lui rappeler que la technique est plus importante que le pédigré, aussi impressionnant que soit le sien. Three, two, one.
un circuit à beaucoup de vitesse, hein. Ça va être compliqué si je passe derrière pour les rattraper, hein. C'est que de la négociation de virage, puis un pouce au cul. Premier tour, je pense. Il y aura 4 tours. Cette course, je le sens. Là, je crois qu'ils sont 3 ou 4 derrière moi. Juste espérer qu'ils gênent un peu. Si je fais une erreur et qu'ils me passent tous devant, je suis mort. Ça se passe mieux hein, quand ils sont pas trop derrière à me bousculer. Attention, pas trop laisser l'intérieur. On va pas s'y engouffrer. Félicitations, tu fais partie des meilleurs pilotes du circuit pro. Maintenant, faut que t'aies Clarence dans ton viseur. En faisant gaffe qu'il n'était pas déjà dans le sien.